Les trois meilleurs gardiens de foot de tous les temps. Numéro 3, Lev Yachin. Moins connu pour les nouvelles générations, Lev Yachin était l'un des plus redoutables gardiens de son époque. Également surnommé la toile d'araignée noire, Lev Yachin est largement considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de tous les temps. Il a marqué l'histoire en étant le seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or en 1963. Sa performance lors de la Coupe du Monde 1966 a été mémorable, où il a aidé l'Union soviétique à atteindre les demi-finales. Yachin était reconnu pour ses réflexes incroyables, sa position solide et sa capacité à arrêter des tirs puissants. Numéro 2, Gianluigi Buffon. Buffon est l'un des gardiens les plus emblématiques de sa génération. Il est souvent reconnu pour sa longévité exceptionnelle à un niveau élevé et sa constance. Buffon a joué la majeure partie de sa carrière à la Juventus, où il a remporté de nombreux titres de Serie A et a été un pilier de l'équipe. Son agilité, ses réflexes rapides et sa capacité à inspirer et à diriger sa défense ont contribué à son succès durable. Buffon a été également une figure emblématique de son équipe nationale. Avant de te faire découvrir le meilleur gardien de tous les temps, pense à t'abonner et liker cette vidéo. Numéro 1. Manuel Neuer. Manuel Neuer a révolutionné le rôle du gardien de but en introduisant un style de jeu plus offensif. Sa capacité à jouer haut sur le terrain, à anticiper et à interagir avec le jeu à l'extérieur de sa surface, a redéfini la position. Neuer a été un élément clé du Bayern Munich et de l'équipe nationale allemande, remportant de nombreux titres nationaux et internationaux. Il est réputé pour ses arrêts spectaculaires, sa distribution précise et son sang-froid sous la pression. Question pour champion, quelle est l'équipe nationale de Buffon? Dis-le-moi en commentaire.